Tang Productions. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis sur un plan d'eau que je viens découvrir, l'étang de Moutier, un plan d'eau qui est situé dans le 89, dans l'Yonne, à quelques kilomètres de Saint-Sauveur et du château de Guédelon. Donc j'ai décidé de venir aujourd'hui parce qu'il y a un de mes abonnés qui m'avait dit qu'il y avait un petit peu de poisson. Et puis j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube, j'ai pas trouvé grand chose, mais a priori il y avait quelques tanches, quelques grosses tanches. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas venir essayer. Il y a un beau soleil qui est en train de monter, je pense que ça va être une belle journée. Alors j'avais prévu de pêcher à la canne, mais malheureusement, comme vous pouvez constater, il n'y a quand même pas beaucoup d'eau. Alors je vais voir, je vais installer la station dans l'eau et je vais voir si je peux trouver un peu de fond sur les bordures, mais ça m'étonnerait. Bon, de toute façon, j'avais quand même prévu le coup, j'avais pris mon fourreau de canne feeder, parce que je sais que sur la puisée, la morphologie des plans d'eau, c'est pas très profond. Hein. Ici, c'est quand même assez une région qui est assez plate hein, quand même. Alors pour l'amorce, je vais utiliser mon amorce à tanche. Que sur la vidéo que j'ai trouvée hier soir, j'ai vu que les carpistes prenaient quelques belles tanches. Donc je vais en mettre à environ 2 kg. Je sais pas encore si je pêche à la canne et au feeder, donc je préfère en prévoir un peu plus. Donc dans cette amorce, comme sur la recette, je vais donc la mouiller avec du tourteau de maïs que j'ai fait tremper dans de l'amino booster chaîne bi pain d'épices comme d'habitude. Bon, même s'il n'y a pas que des tanches, cette amorce elle est vraiment très très bonne pour les gardons et les poissons blancs en général. Voilà, donc je vais la laisser gonfler environ un quart d'heure, 20 minutes. Et puis pour finir l'amorce, je viendrai mettre de la mélasse liquide, très appréciée par les tanches et les poissons blancs en général. Alors pendant que l'amorce elle gonfle, ce que je vais faire, je vais préparer un mélange de pelée et de graines pour pouvoir amorcer mon coup au feeder. C'est un plan d'eau où on n'a pas le droit au bateau, donc forcément les carpistes sont obligés de spauder pour pouvoir démarrer la pêche. Donc je vais faire exactement la même chose, puisque les plans d'eau qui sont amorcés au spod, les poissons blancs sont habitués au bruit et viennent manger souvent dans ce qui est prévu pour les carpes. Donc pour ça, bah, je vais mélanger pas mal de petits pelés de 3 mm, donc je vais finir un peu tous les paquets que j'avais à la maison. Alors, tous ceux qui sont entamés en tout cas. Donc du sweet corn et du chêne bi pain d'épices.
là-dessus je vais ajouter du pelé de 4 mm. Un petit peu de maïs. Et puis bien sûr du chêne vie que j'ai mis à préparer hier soir dans le thermos. Et donc dans ce mélange, je vais ajouter un peu de pâte chêne vie pain d'épices pour marquer un petit peu le fond. Voilà, donc j'ai eu le temps de préparer mon mélange de graines, j'ai amorcé au spod, j'ai réglé mes deux cannes feeder, et là donc j'ai laissé gonfler l'amorce pendant au moins une bonne demi-heure. Donc, comme d'habitude, je vais la saturer de mélasse, et après je la tamiserai propre. Ah, du coup, pendant que j'installais le matériel, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de poissons sur la bordure, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de fond. Donc j'ai décidé quand même de monter la canne, voilà, pour exploiter le coup de bordure. Il y aura peut-être quelques poissons à faire sur le début de la pêche, et puis c'était quand même ma première idée au départ, malgré le manque de fond. Bon, c'est vrai que j'avais envie de pêcher à la canne, donc j'ai amorcé au feeder. Bon, je vais sortir un peu plus de matériel, mais je passe la journée, donc c'est pas très grave.
Alors en fait, il y a plein de poissons. Il y a du poisson qui mouche partout, et vraiment de toute taille. Quand j'ai commencé de pêcher, j'ai tout de suite mis deux micro-bouillettes sur la zone que j'avais spawnée. J'ai fait une très belle brème de, je pense, 1,2 kg à peu près. Derrière, j'ai réessayé un quart d'heure, j'ai pas vu de touche. Donc je suis parti à la cage et j'ai fait un gros chat. Entre deux, j'ai pêché un petit quart d'heure à la canne. J'ai fait des tout petits carpeaux qui font 2-3 doigts. Et puis un gros rotangle, enfin un beau rotangle au maïs. Voilà, mais dès que je mets un gauzeur rouge, j'ai une touche tout de suite. Donc c'est soit des tout petits gardons ou alors des tout petits carpeaux. Donc apparemment, il y a quand même pas mal de poissons. Là, j'ai une touche. Poisson. Donc j'ai décidé de pas amorcer trop loin parce qu'il y a du monde sur la berge de l'autre côté. Et je me suis dit, si tout le monde pêche à 60 mètres, ben on va pêcher sur le même coup. Donc là, je pêche à 40 mètres à peu près. Et pour pêcher à la cage, j'ai monté une canne en 10 pieds, ce qui est largement suffisant. Ah, donc c'est un autre gros chat. Alors il y a des beaux poissons qui montent à la surface. Hein. J'ai vu ça depuis tout à l'heure, donc je pense qu'il y a quand même. J'ai fait une grosse brème, il doit y avoir des plaquettes et des gardons. Donc si jamais il y a trop de chats à ce moment-là, j'allongerai un peu la longueur du bas de ligne. Donc à la canne, j'ai environ 90 cm de fond. Je pense que c'est suffisant pour faire rentrer le poisson si je fais pas trop de bruit. Donc j'ai mis 6 boules et puis j'agraine dessus régulièrement. Et je vois des poissons d'ailleurs qui montent à l'agrainage. Voilà, je peux souvent pas en mancher puisque j'ai plein de petits zinzins comme ça qui sont devant la bourriche. Il faut pas que j'oublie de poser la ligne au bord. Voilà, donc il y a plein de petits carpeaux comme ça. Voilà, au travers de ces petits carpeaux, on arrive quand même à faire quelques beaux poissons. Bon, je pense que si je veux continuer à la canne au cou, même s'il n'y a pas de vent, il faut que je monte une ligne plus lourde.
et que je passe sur des zèches un peu plus volumineuses. Là, je vais remettre des petits pelets de 3 mm à la coupelle et puis du chêne-vie. Voilà, donc pendant ma pêche, je prends ma grosse canne avec deux micro-bouillettes et je fais des passes de 1/4 d'heure, 20 minutes. Donc là, j'ai attendu un petit peu la touche et je viens de faire un beau carassin. Avec deux micro-bouillettes de 8 enfilées sur un cheveu. Donc ça vaut le coup d'attendre les touches. Je les prends sur la zone que j'ai amorcée au spawn. Donc là, je vais laisser tranquille, je vais faire comme j'ai fait les deux fois. Je vais repartir à la canne au cou et puis je retournerai y pêcher d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, voir s'il y a un autre beau poisson. À la cage, pour l'instant, j'ai fait que deux gros poissons chats. Et puis là, j'ai passé 10 minutes avec une cage et des gauzeurs, j'ai pas eu de touche. Donc, peut-être qu'il y a des trop gros poissons, je sais pas. Voilà, j'ai un montage avec un cheveu, donc là j'ai perdu une bille parce que quand je l'ai décroché, elle est partie. Donc j'enfile deux micro-bouillettes avec un quick stop et puis donc j'ai un petit plomb d'arlesé. Voilà, j'emmène pas de cage sur cette canne. Donc là pour l'instant je vais recharger mon cou à la canne avec des pellets de 3 mm. Donc chêne-vie pain d'épices. Je vais pas emmener trop d'amorce pour l'instant sur le cou à la canne parce qu'il y a beaucoup de tout petits carpeaux. Donc je vais juste descendre du chêne-vie, des micro-pelés, enfin des pelés surdosés de 3 mm et puis un peu de maïs.
Alors, je viens de décrocher un beau poisson le cou à la canne avec un grain de maïs, ce qui est normal parce que dessus, sur cette ligne, j'avais un hameçon de 22, 20 ou 22, je ne sais plus exactement, et surtout un hameçon fin de fer qui n'était pas très adapté à écher des grains de maïs. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter une autre ligne avec un flotteur K1 en 0,75. Donc, ça peut paraître un peu lourd pour le peu de fond qu'il y a, mais là je veux une ligne quand même assez porteuse qui pêche bien et qui tienne bien le grain de maïs, parce que je suis persuadé qu'il y aura des beaux poissons qui vont venir sur le coup en bordure. Donc je vais monter en 14 centièmes direct. Je vais y aller au plus simple. Et puis sur cette ligne, je vais mettre un hameçon Feeder Max en taille 12 qui me permettra d'écher des grains de maïs et dépeler surdosé en 6 mm, puisque je pense que je peux faire quelques poissons avec. Il y a quelques rotangles de belle taille, et quand j'agraine, je vois des beaux poissons monter en surface, donc ça peut peut-être le faire. Et sur cette ligne, j'ai un élastique creux de 1,7 mm, un peu plus fort que le kit précédent qui était en 1 mm creux. Donc là, je suis posé à la cage depuis une dizaine de minutes avec un grain de maïs, mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de touche. Faut dire que le coup à la cage, j'ai pas forcément ramené de l'amorce. Je me suis contenté juste de lancer des cages quand j'ai pêché avec l'amorce, mais j'ai pas refait un amorçage aux farines. Je suis resté sur ce que j'avais mis au spod. Dump, 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 dump
Donc après la pause casse-croûte, j'ai refait une passe avec deux micro-bouillettes. J'ai pris tout de suite un beau carassin, comme celui de ce matin. J'ai voulu relancer et en fait, 5 minutes après, j'ai pris un carpeau de 1,5 kg. Et du coup, je suis reparti à la cage avec un bas de ligne assez long et deux grains de maïs. Et par contre, à la cage, j'ai pas du tout de touche. C'est vraiment hyper bizarre. Alors peut-être parce que j'ai pas mis assez d'amorce. Et peut-être que quand je pêche avec les micro-bouillettes, c'est des poissons de passage. Ou alors il y a trop de petits poissons. C'est vrai qu'à la canne au cou, il y a vraiment beaucoup de touches et il y a beaucoup de loupés, mais il y a beaucoup de petits zinzins comme ça, même quand on pêche au maïs. Et il y a des petits carassins et des petits carpeaux aussi qui dévorent tout ce qui arrive, quoi. Enfin, en tout cas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de poissons. Il y a des moustiques de vers de vase plein la bordure, donc je comprends mieux pourquoi il y a une telle activité sur les bords. Je vois des poissons sauter partout depuis ce matin. C'est assez impressionnant, c'est juste dommage qu'il manque un petit peu de fond pour pêcher vraiment correctement à la canne ou éventuellement à l'anglaise. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment une belle découverte et c'est un super beau plan d'eau, même si c'est pas très grand. On n'est quand même pas les uns sur les autres et puis là, bon, on est sur début septembre, la pression de pêche elle est un petit peu retombée quand même. C'est le déluge et en plus il y a l'orage qui cogne juste au-dessus, donc pour l'instant je vais laisser les cannes tranquilles et puis on va attendre que ça passe, et si jamais ça passe pas, bah tant pis, je serai obligé de plier. C'est toujours un peu dangereux de, enfin c'est même très dangereux de pêcher sous l'orage.
Bon ben, retour du soleil, je peux vous dire que là pendant 45 minutes on en a vraiment pris une sévère. Là, ça s'est mis à tomber, plus des gros éclairs. Donc du coup je me suis mis dans la voiture, alors j'ai plus un seul asticot sur la station, enfin sur la tablette, puisque j'ai pas eu le temps de mettre quelque chose dessus, c'est surtout qu'il pleuvait beaucoup trop. Et du coup je vais finir au feeder, j'ai plié la grande canne parce que c'est toujours un peu plus dangereux quand il y a des éclairs et de l'orage. J'ai essayé de tout remettre dans la voiture à peu près proprement. Et puis là, il me reste une heure à pêcher, donc je vais essayer de repêcher propre. Et le temps que je file la grande canne, j'ai refait une carpe au feeder. Et puis, donc on va voir s'il n'y en a pas une dernière à prendre avant de finir. Voilà, donc là, j'ai mis ma grosse canne qui pêche avec montage aux cheveux, deux micro-bouillettes. Bon voilà, tout a pris l'eau, j'ai fermé les bouillettes trop tard, c'est pareil, les pelés sont trempés. Il va falloir que je fasse sécher tout ça. Les asticots, donc je les ai vite mis dans l'eau. Pour qu'il m'en reste un peu pour pêcher. Il y en a partout sur la tablette. Bon, ça va, il me reste des grains de maïs. Alors, j'espère qu'après l'orage, il y a quelques beaux poissons qui vont se manifester. Normalement, ça devrait être pas mauvais. Donc premier poisson après l'orage, ça a l'air d'être un très beau poisson, toujours avec deux micro-bouillettes. Ah, donc je vais remettre une micro-bouillette parce que là j'en ai perdu une. Donc les micro-bouillettes, je les perce avec un petit foret. Et je mets un quick stop sur mon cheveu. Comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser des stop bouillettes. Parce que ça, c'est vraiment chiant. On fait que de les perdre. Et puis, quand on pêche avec des tout petits bouillettes, des toutes petites bouillettes, pardon, on a du mal à trouver vraiment la bonne taille. Donc là, avec le quick stop, c'est vraiment très simple. On plante l'aiguille dedans. Et on passe la bouillette au travers. Et ça pêche. C'est vraiment très rapide. Et puis on perd pas systématiquement à chaque poisson. Allez, on va essayer d'en faire un dernier juste avant d'arrêter. Alors pour les lignes que j'ai utilisées pour la pêche au cou, donc j'avais monté un flotteur BAR1 en 0,30. Là-dessus, j'avais un hameçon de 22 ou 20, donc c'était bien pour mettre un gozer, mais par contre, ça ne sélectionnait pas du tout les poissons. Il y avait beaucoup, beaucoup trop de petits carpeaux ou petits carassins. Et du coup, quand je mettais un grain de maïs, je décrochais un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais monter un flotteur K1 Pro, donc les flotteurs à antenne interchangeable. Là-dessus, j'ai mis un Excellium en 14 centièmes direct. Et puis, j'ai utilisé un hameçon Feeder Max en taille 14, donc un hameçon fin de fer. Normalement plutôt utilisé pour le feeder,
mais ça me permettait de mettre des petits grains de maïs assez facilement à l'hameçon et sans avoir quand même quelque chose de trop gros. J'avais une bonne présentation. Donc c'est ce qui m'a permis de prendre une majorité de rotangles quand j'ai pêché à la grande canne. Donc à la canne au cou, ce qui a bien marché, c'était donc de mettre de l'amorce au départ et d'agrainer régulièrement au gauzeur. Et je déposais à la coupelle des pelés surdosés en 3 mm. Bon là, ils sont complètement trempés parce qu'ils ont pris l'eau pendant l'orage. Et je les agrainais également à la fronde, ce qui m'a permis de tenir toujours les rotangles. Et puis, 3 ou 4 fois pendant la pêche, j'ai emmené une pleine coupelle de petits pelés mélangés avec du chènevis et quelques grains de maïs. Donc il y avait vraiment du poisson à faire à la canne. Peut-être un peu trop de poisson d'ailleurs sur le coup, il y avait beaucoup de fausses touches. Mais bon, dans un mètre d'eau, c'est pas facile non plus. C'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de profondeur pour faire une pêche vraiment propre à la canne. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant la quantité de poisson. Bon, je pense que je reviendrai pêcher qu'au feeder et éventuellement aux méthodes feeder. Parce que là, la profondeur à 40-45 mètres s'y prête vraiment bien. Et puis au vu de ce que j'ai pris déjà, sans vraiment m'en occuper, il y a quand même quelques beaux poissons à faire. Parce que là, je dois avoir 6 ou 7 poissons à l'épuisette. Quelques carpes, 2 carassins, une grosse brème. Bon, j'ai pas fait de tanche. Mais bon, je suis plutôt content. J'ai fait quand même des beaux poissons qui sont venus sur l'amorçage au spod que j'ai fait ce matin. Donc j'ai pas forcément entretenu mon cou plus que ça pendant la pêche. La preuve que le poisson est quand même bien rentré ce matin sur ce que j'ai mis à manger au spod. Donc je pense que c'était la bonne stratégie, mais en pêchant à la cage, il y a peut-être aussi une très belle pêche à faire, en pêchant vraiment du début jusqu'à la fin. Mais ça, on verra peut-être lors d'une prochaine vidéo, parce que franchement, je compte bien revenir, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il me reste juste à vous montrer les poissons. Donc cet étang, c'est l'étang de Moutier, dans le 89. À quelques kilomètres de Saint-Sauveur. Voilà, donc c'est un étang du domaine fédéral. Donc vous pouvez y aller avec la carte de pêche, il n'y a pas de supplément à payer. Et bon, bah apparemment, il y a quand même du poisson. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer ici. En tout cas, moi, je suis sûr de revenir. Parce que je pense qu'il y a vraiment une très belle pêche à faire en pêchant sérieusement au feeder. Il y a vraiment quelques beaux poissons. Donc voilà, à la canne, c'est vrai que c'est un peu juste, il manque un petit peu d'eau, même s'il y a quand même beaucoup beaucoup de poissons qui viennent sur l'amorce. Ah, donc quand même une belle pêche avec des beaux poissons, quelques carpeaux, des gros chats qui vont finir au barbuck, quelques carassins. Voilà, j'ai 7 gros poissons, j'ai pas mal de rotangles. Quelques beaux rotangles faits à la canne. Premier gros poisson, une très grosse brème. Donc tous les gros poissons, je les ai pris à la micro-bouillette. Ah, des beaux petits carpeaux.